Monsieur Gabin, vous présentez Etatinka qui reste sur une cinquième place. Oui, complètement. La Pouliche avait fini son année par deux probantes victoires à réclamer. Maintenant, là, on retourne dans la catégorie des handicaps où elle s'est retrouvée un petit peu plus barrée au niveau de sa valeur et elle vient de refaire voir un petit peu le bout de son nez dans un handicap en prenant une cinquième courageuse place. Mais on sent bien qu'elle est certainement prise au moins à sa juste valeur, mais sans marge. Il y a un petit break dessus ? Oui, on lui a laissé reprendre un petit peu de fraîcheur. La Pouliche paraît bien le matin, mais on aura certainement besoin de cette remise en route. C'est un quintet parisien, le niveau va certainement être un peu plus relevé que ce qu'on vient de courir dernièrement, donc il faudra l'observer avec attention, mais les prétentions sont moindres quand même pour la victoire. La distance, le contexte, ça lui convient ? Oui, la distance de 1400 mètres, elle a même performé sur beaucoup plus long. C'est une distance qui va lui convenir, c'est que 4 ans, donc il y a quelques points quand même positifs pour elle, mais je vous dis, voilà, peut-être besoin de cette remise en route. Plutôt en bout de combinaison alors ? Oui, voilà, complètement, oui.